Dans une précédente vidéo publiée sur cette plateforme, nous avons déjà indiqué que 6 jeunes avaient été arrêtés pour des faits mineurs par la police du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso avant de trouver la mort dans un commissariat de Brazzaville. Une mort plutôt étrange à en croire le témoignage bouleversant de l'un des parents de la victime. La scène se passe à la mardi, on m'appelait le mardi la nuit. C'était le 5 novembre. Oui, on les avait arrêtés à partir de 21h. Le 5 novembre. Et donc c'est un jour après qu'on vous demande d'aller voir le corps là-bas. Non, un jour après, je suis reparti à la centrale. Arrivé à la centrale, j'ai vu l'enfant. J'ai vu l'enfant le mercredi. Maintenant le jeudi, quand je viens, l'enfant est là. C'est la semaine passée. Oui, c'est la semaine passée. Quand vous avez vu le corps, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez constaté quoi? Quand j'ai vu le corps de l'enfant, c'est comme si on l'avait étranglé. On a dit l'étouffement. Apparemment, c'était l'étouffement. Les autres là aussi devaient être étouffés. Mais comment sur les 8 personnes, il y a que lui qui est mort. Donc, vous vous soupçonnez. Notre lutte pour la liberté. La justice et la paix. Donc, vous avez un tel parcours impose un devoir de mémoire à l'égard des pères de l'indépendance qui avaient résolument entrepris la marche pour l'accession du Congo à la souveraineté internationale. En cet instant solennel, je voudrais adresser mes vives félicitations à notre peuple qui œuvre inlassablement. Alors la police est censée assurer la sécurité des personnes. Comment les gens meurent maintenant? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils doivent nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils le font. Et puis nous avons pu organiser la paix. Oui, mais on a organisé la paix, en Congo. Et vous avez vu les autorités pour les obsèques, comment ça va se passer? On a vu les autorités de centrale. Oui, mais les autorités congolaises, est-ce que vous dites que l'enfant est... Non, mais tout ce qu'on a fait des papiers, on a mené ça au centrale pour que ils signent, hein, ils ont le poussé. Je veux rien savoir. Vous allez tenter quand même une action de justice? On a tenté une action de justice parce qu'on est parti au niveau du parquet. On a bien procuré. Donc vous avez porté plainte contre X. Aujourd'hui, le régime de Denis Sassou Nguesso n'hésite pas de tuer la population à des fins de rituels sataniques. Une pratique très connue pendant le monoparti. Des jeunes qui disparaissent, kidnappés par des membres d'une société secrète pour le compte des anciens dirigeants de cette époque. Faites-nous savoir ce que vous en pensez de cette affaire en laissant un commentaire. Les amis, abonnez-vous.